Alors nous avons la chance aujourd'hui d'avoir comme invité un licencié du motoclub de motocross, monsieur Prévost Thierry. Alors depuis combien de temps faites-vous de la moto? Maintenant ça va faire la quatrième année. La quatrième année, et ça se passe bien? Ça a bien commencé, oui, cette année. Ça a bien commencé, et cette année j'imagine que pour le motocross Caseyens 84, ça va être une belle réussite. Et j'espère, oui. Et nous l'espérons pour toi aussi.
Pasquale magnifique, hein. Arbitre Zach Pasquale. Le 15 ans pas cher, on a un peu perdu de vie de passer à l'arrière. Le 32 de Nilsson, le suédois. Le 13 Fernandez. Alors que le sommeil de Gonzalo Gomez et les Carimans de la route de Yangoua maintenant sont des gars de la zone de contrôle. Ouh, attention, le deuxième tempère là au fond. Bravo au fond. Oui, Jean-Claude Gomez en tête. Ah, il n'avait pas de terre pour voir le passage, Jean-Claude. Jean-Claude Gomez et Colin, et ce jeune Belge, comme vous pouvez ovationner comme il se doit, premier numéro 2, Jean-Claude Gomez. Deuxième, Stéphane Colin. Deux pilotes qu'on peut applaudir très fort. Jean-Claude Gomez, Stéphane Colin, les deux héros de cette finale de Casbonne-là. Troisième, on applaudit le titre d'espoir, Yann Boer. Bernard Pasquale qui a mené toute la première partie de cette finale. L'Allemagne. Bien sûr, la remise des coupes et les interviews des vainqueurs. À la maison située à Montessier-Puy, je vous attends très, très nombreux pour venir applaudir, mais aussi écouter les champions du jour, d'autant plus que Colin, c'était sa première sortie en France. Nous avons beaucoup de questions à lui poser sur ce jeune prodige belge. Jean-Claude Gomez, une nouvelle fois héros ici à Casbonne-là. Il avait terminé, si vous souvenez, son texte-là, second l'année dernière derrière Patrick Jarret. Il voit que les champions sont très entourés en bout de ligne droite de l'arrivée, ce sont les presque volants. Jolie cette édition 1983 ici à Casbonne-Lard. Je vous attends donc maintenant très très nombreux en haut du circuit au secrétariat, devant le secrétariat, à côté du parc à coureurs. Nous avons déjà les classements généraux, nationaux et libres. On peut donc commencer immédiatement cette remise des récompenses. Pendant ce temps, nos chronométreurs, effectivement le classement général et inter, nos chronométreurs qui ont fait un travail de titan, mais toujours dans la perfection, les chronométreurs, c'est-à-dire Madame Donat, Madame Valérie, Mademoiselle Caron et Monsieur Dumont. Il y a le parapluie, il vient en bateau. Remise de récompense de notre présentateur, que sont là, remporté par le championnat de l'Italie sur le podium, par Badine Gilles. Allez. Monsieur Arnaud, le délégué de ce championnat arrive. Calou, c'est fait. Alors un coup de chapeau pour notre équipe de travail là, qui est en train de délaguer et de couper toutes les roses, tous les buissons. Pierrot, nous avons justement tous nos bûcherons, tous nos joyeux bûcherons qui sont à côté de nous. Hein? Oui, disons que nous avons une très bonne équipe, derrière moi une très bonne équipe qui n'hésite pas un seul instant à apporter son concours pour améliorer la qualité de ses épreuves et offrir aux spectateurs un superbe terrain. Disons que ce terrain, je pense qu'au niveau national, et même disons, ce sera un des plus beaux, parce qu'on pourra garantir aux spectateurs presque 98% de visibilité. Et je crois que pour le public, c'est énorme.
que c'est un effort qu'il fallait faire en 1984 pour que les spectateurs puissent être... capacité internationale de 1600 mètres avec une ligne de départ de 30 mètres et le minimum de ce circuit 6 mètres, 10 mètres, 20 mètres et plus avec des obstacles, des sauts, ce qui je pense vaut l'image d'un circuit à l'américaine.